Bah, je m'appelle Jeanne, je vais bientôt avoir 18 ans, je suis en terminale ES à Camille Vernet et cette année je fais partie du pôle animation. Comme l'année dernière, ça va bientôt faire 2 ans que je participe en tant que bénévole aux Oreilles du Renard. En fait, on a un groupe de jeunes à la MJC, The Tar Team. On a bien réfléchi le nom. Et bah, on s'inscrit sur plein d'autres projets, par exemple la fête de la MJC, tout ça, on participe bénévolement à plein d'actions, et donc dont les Oreilles du Renard. Cette année, là, comme l'année dernière, on a créé un projet qui s'appelle le Photo Ma Tronche. Le but, c'est vous venez pour passer un bon moment, vous vous déguisez, on vous prend en photo et on vous imprime directement la photo pour que vous ayez un souvenir de votre soirée. D'accord, merci. Bonjour, je m'appelle Stéphania, j'ai 30 ans, je suis animatrice à la MJC Château Vert, animatrice enfance. Ça fait 2 ans que je suis bénévole aux Oreilles du Renard. Là, cette année, je suis en cuisine. Alors, on prépare à peu près 200 repas pour les artistes et les bénévoles qui viennent à l'Oreille du Renard. Voilà. Merci. Bonjour, donc je m'appelle Wadia, j'ai 24 ans et je suis animatrice à la MJC de Privas. Donc c'est ma première année aux Oreilles du Renard en tant que bénévole. Je suis venue avec la MJC de Privas, donc avec mes collègues Julie qui est animatrice aussi, qui s'occupe des 6-11 ans, et Rachid qui est notre coordinateur. Donc on s'occupe pour les Oreilles du Renard du snack et de la buvette. Et voilà, hier on a eu assez de monde et ce soir on attend encore beaucoup de monde, donc voilà. D'accord, merci. Alors moi c'est Mickaël Oudjiri, j'ai 28 ans, bientôt 29. Du coup je suis responsable d'un secteur jeunesse dans une MJC centre social. Je suis bénévole sur le pôle prévention, c'est ma première année sur le pôle prévention. J'ai déjà fait une fois en tant que bénévole salarié sur les loges d'artistes accueil, voilà. Mais c'était à Privas il y a 3-4 ans. Et j'avais quitté un peu le réseau et je suis revenu. Et du coup, donc je m'occupe du pôle prévention. Et le but, c'est essayer de faire en sorte que la soirée se passe le mieux possible avec tout ce qui est prise de psychoactifs, alcool, sexe aussi. Voilà, limiter les risques dans la bonne humeur et la convivialité. D'accord. Merci. Moi, c'est Marine, j'ai 17 ans et je suis dans le pôle accueil artiste et c'est la première année dans ce festival. Bonjour, moi c'est Manon, j'ai 17 ans, donc je fais partie aussi de la MJC d'Étoiles. Donc ils m'ont appelée en tant que bénévole pour les aider au pôle accueil des artistes. Donc en fait, on va aider les artistes, donc par exemple on va aller chercher la gare, ou sinon on peut aller chercher des boissons ou acheter des choses à manger. Ouais. D'accord, merci.
le tachycardie. Mon bâton pluie pour rafraîchir mes tympans. Ma poudre de pédulogie pour nettoyer mon tapis volant.